Déjà, moi, féliciter le Conseil présidentiel Haïti qui nomme des ministres pour garantir la sécurité en Haïti, surtout dans le département de l'Ouest là. Cependant, moi, conseiller nous pour ne pas prendre un engagement à long terme parce que le problème haïtien, c'est un problème d'urgence qu'il y a, surtout toute zone encerclée par des bandits, cela veut dire pas gain de travail pour la population. Si seulement si donc pas gain de travail pour la population, cela veut dire payant concentré que chaque jour qui joue, mon a vu plus pauvre et chaque jour qui joue tout, mon yo, c'est y a plagué quoi non option de vol. Cela veut dire, sinon 2 mois plus tard, situation Haïti a donc l'irrité comme ça, même garantie nous, tout jeune garçon a obligé la gueule dans voler, dans bandit, parce que c'est celle option qu'a gagné pour quel qu'il en soit. Jeunes haïtiens et l'autre, donc qui pas voulu rentrer dans ça, donc il n'y a pas bien l'autre choix que mourir. La caillou, soi-disant mourir gangou ou bien par n'importe quel qui moyen. Il y a un proverbe créole qui dit, tant que la mort dure, c'est temps de dépenses. Avec Haïti qui est déstabilisé de A à Z là, pas de travail pour personne, eh bien, faut que nous dégagions nous pour nous faire tout ça qui est nécessaire pour nous résoudre la crise, ça en urgence. Faut que moi dis non, population haïtienne, donc il n'y a pas besoin de comédiens pour faire des scènes de théâtre, pour faire mon rire, ou du moins pour distraire. Donc, il y a plutôt besoin des professionnels avec des stratèges qui sont capables de mettre des stratégies dehors pour combattre l'insécurité qui est en Haïti. Et c'est ça, pays a lui-même, donc les besoins. Deuxièmement, moi garantis non, population haïtienne, donc les besoins. C'est ce qu'on appelle élection. Parce que, j'aime dire tant que la mort durée, c'est tant de dépenses-là. Donc, le pays a besoin d'une élection pour que nous capables de placer des sénateurs, des députés et magistrats en place. Parce que c'est ça qui est plus bon pour le pays. C'est pour nous garder comment nous capables d'organiser une élection dans les plus brefs délais, de mois de septembre à mois d'octobre, pour le pays en capable de garantir de sécurité. Et des élus démocratiquement. En effet, maintenant de nous, si toutefois que mission nous, c'est pour nous mettre sécurité en Haïti, ma conseille nous pour nous négocier avec responsables politiques d'un coup, ex-président, ancien sénateur, ancien député, ancien première dame de la République et mon nous, les bourgeois ou bien commerçants, c'est pour nous rentrer en négociation avec Mounsayo parce que Mounsayo est plus dangereux que Moun, que nous baillons plus d'importance après les gangs dans toute la rue. Donc, si que nous négocions avec Mounsayo, nous garantissons que le problème de sécurité en Haïti donc là, prend fin dans 2 mois maximum. Deuxièmement, je demande avec toute leader de l'opposition et l'ambassadeur de l'ambassade des États-Unis, l'ambassadeur de l'ambassade de France, l'ambassadeur de l'ambassade de Canada, pour ne pas empêcher une négociation pour régner la paix en Haïti. Parce que le problème là, il est grave et le problème n'est pas seulement haïtien. Fondation Menayem offrit avec l'État haïtien des opportunités en cours. 800 dollars américains par semaine pour chaque grain de policier qui vit en Haïti. Déjà, la Fondation Menayem aide plus de 50 000 Haïtiens vulnérables en Haïti. Cependant, la Fondation Menayem a 2 millions Haïtiens qui portent le badge de la Fondation Menayem. La Fondation Menayem a continué l'été jusqu'à ce que donc les touchés 2 millions Haïtiens saillent donc qui portent le badge. Pendant qu'on a annoncé tout le monde dans tous 10 départements, la Fondation Menayem a continué le processus Badjo. Le processus Badjo a fait par des ambassadeurs de la Fondation Menayem qui sont dans le département, dans la commune et dans la section communale. Mais tout badge ça doit être fait gratuit. Cela veut dire que chaque fois que un monde, un haïtien, d'accord pour un badge de la Fondation Menayem, le jour que vous recevez ce badge là, vous supposez recevoir Badja accompagné de 10 000 dollars haïtiens ou bien 50 000 gourdes haïtiens.
Après chaque semaine, dans le bureau Fondation Menahem qui est dans le département ou du moins dans la commune, les gens qui ont été battus ont bien pu bénéficier de $350 américains chaque semaine. Fondation Menahem profite de l'occasion pour remercier le gouvernement biélorusse, spécialement le président Loukachenko Alexandre, pour le soutien financier que lui bail avec Fondation Menahem pour continuer la mission de la réduction de la pauvreté en Haïti, dont ça donc lié évalué à $14 millions.